En janvier dernier, la ville de Neuilly-Plaisance organisait au cinéma La Fauvette une projection inédite d'un documentaire dédié au batteur Charles Benaroche. Ce talent nocéen jouait avec les plus grands noms de la chanson française. Ça fait 45 ans que je suis nocéen. C'est un peu la première fois que je mets en avant mon métier et ce que j'ai pu faire. Je joue du jazz depuis une trentaine d'années, mais j'ai joué sur des tonnes d'albums avec des tonnes de gens, de Dutronc à Higelin, en passant par Julien Clerc, Souchon, Voulzy, etc. Après la projection, les spectateurs de La Fauvette ont pu échanger avec la star de la batterie, bientôt rejoint par ses amis musiciens pour le plus grand plaisir du public. Les élèves du collège Jean Moulin de Neuilly-Plaisance ont apprécié la performance. Notre professeur de musique, elle nous a proposé d'être au cinéma ce soir. Du coup, j'ai dit oui, surtout si ça avait l'air intéressant. J'ai trouvé vraiment que c'était impressionnant ce qu'il faisait. Qu'il soit là et qu'il fasse un concert à la fin, c'était bien. Je fais de la batterie et aussi je dirige des ateliers de batterie et percussion au collège. Du coup, ça m'a direct interpellé là, alors je suis venu ce soir. C'était vraiment intéressant. Surtout moi, en tant que batteur, après, je connais un peu les choses dont il a parlé, les techniques, la musique, comme le 6-8 dont il a parlé. Pour vous tenir informé des événements culturels organisés par la municipalité, rendez-vous sur le site internet et la page Facebook de la ville. Et pour les plus jeunes, suivez les conseils de Taylor. Ceux qui n'ont rien à faire le mercredi après-midi, soit si vous aimez la musique, inscrivez-vous à l'école de musique municipale de la ville pour faire n'importe quel instrument, ou bien sinon, venez au cinéma La Fauvette pour regarder des bons films.